Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien, les refs, tout simplement. Aujourd'hui, mon frérot Jojo, on va tester ensemble une marque de friperie. Oh, une marque de friperie, une nouvelle friperie. Attends, c'est quoi? C'est tout nouveau? C'est tout nouveau, ça s'appelle La Bonne Tenue. Et c'est un Boog, donc qui a un site internet, qui a aussi un Vinted, qui a une page Instagram. Et en fait, il vend du rétro, il vend du outdoor, il vend de la fripe streetwear, sportswear, des jeans, des sweats, des crewnecks, des t-shirts, blablabla. Et moi, il m'a promis de m'envoyer deux articles Gorkor, donc marque genre North Face, Arterix, tu vois, les trucs comme ça. Et deux articles genre en mode un peu rétro streetwear. Du coup, il nous a envoyé ça là, la bonne tenue, un gros sachet tapeur. Un gros sachet. Et dans ce sachet là, normalement, il y a les quatre articles. Il n'y en avait pas deux? Non, deux articles Gorkor, deux articles rétro streetwear. Excusez-moi, j'ai manqué de concentration. Il suit pas. Ce qu'on va faire, les refs, c'est que dans les commentaires, vous allez nous dire ce que vous pensez des articles. Déjà, tu vas commencer par t'abonner. Si tu t'abonnes pas, au bout d'un moment, mon ref, tu vois celle-là? Doucement. Abonnez-vous si vous nous découvrez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Monsieur Jojo. Et dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle marque de friperie et box mystère. D'ailleurs, leur box mystère, frérot, pourquoi tu te décroches le nez? Non, c'est pas ce que tu crois. Moi, les refs, ce que je vous demande de faire, c'est de nous dire ce que vous pensez de cette marque de friperie et des box mystères. Eux, leur box mystère, elle coûte 50€ chez La Bonne Tenue. Ça coûte 50 balles. Et vous pouvez avoir soit deux articles, soit quatre articles. Ça dépend, mais eux, ils disent valeur totale. Il y a 90€, 100 balles, tu vois, à l'intérieur. Oh, attends, tu payes 50€, mais il y a 90€ de valeur. Dis ça. C'est pas mal. À ce qui paraît, dis ça. C'est pas mal. À ce qui paraît, dis ça. Et à ce qui paraît là-dedans, moi, ce qui m'étonne, gros, c'est que dans ce sachet-là, alors oui, il est lourd. Dans ce sachet-là, il y aurait deux produits Gorkor et deux produits sportswear rétro. Bah, Gorkor, c'est souvent léger. Ouais, c'est souvent léger, c'est vrai. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, on va ouvrir ça. Avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à donner de la force aussi à La Bonne Tenue, à aller voir ses réseaux sociaux, à aller voir ce qu'il fait sur Vinted, à aller voir aussi ce qu'il fait sur son shop. Voilà, et nous dire aussi si vous kiffez, tout simplement. Ouais. On ouvre ça, un petit mot. Je peux le lire? Vas-y, lis. Salut, sale renard. Non, il a pas écrit ça, frérot. Ok, il a pas écrit ça, les gars. Salut, Matt. J'espère que tu vas kiffer tes nouvelles pièces. Aïe. Deux box mystères avec une pièce Gorkor, une pièce vintage. Petit colis bonus, sweet vintage. Les box sont déjà sur le site. 10€ de réduction pour les 5 premières commandes avec le code mystère. Les gars, c'est pour vous, ça. Ok, code mystère, vous avez 10€ de réduction. Donc, les box que je vais ouvrir, il y a les mêmes box qui vont être disponibles. Mais t'as oublié, il a dit à bientôt, Valentin. À bientôt. À bientôt, ça veut dire que c'est pas un au revoir. Ça veut dire que si vous kiffez, à nouveau. Exactement. Donc faites le taf. Dans les sachets, il y a d'autres sachets. C'est-à-dire qu'on a un sachet là, La Bonne Tenue, juste là. On a un autre sachet ici, La Bonne Tenue. Et on a encore un autre sachet qui est ici. On commence par lequel? À toi de jouer. Moi, je pense qu'on commence par le plus noir. Vas-y, let's go. À toi de déballer et on voit ce que c'est et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est une box mystère. C'est parti, les gars. Ouh, mon ref. Alors, ça, c'est peut-être la bonus avec les deux vintage. Ouais. Ah, gros, déjà, ça, c'est Kali. Déjà, on a le prix de base. Et regarde, il y a marqué, merci pour ton achat, un petit cœur. Partage ta nouvelle pépite sur Instagram avec le hat, La Bonne Tenue. Regardez, les refs, je vous montre ça. Vous voyez ce qui a marqué. Ok. T'es combien? 35€. Ah, il y a des bonbons. Et moi, c'est 40€. Toujours les bonbons. Les marques de friperie, je sais pas pourquoi. Ils adorent mettre des bonbons à chaque fois, gros. Déjà, est-ce que ça sent bon? Pour le repas, les gars. Ouais, ça va, ça sent bon. Ça sent assez bon. Alors, petit crewneck Saint-Louis. J'ai la gastro, vous savez pourquoi? Valentin, frérot. Si Jojo, il a la gastro. J'ai la gastro, frérot, Valentin. Gars. Alors, petit crewneck Saint-Louis. Ça doit être le nom d'une université. Et c'est un sweat rétro de la marque Champion. La taille, c'est du M. Bah, moi, je lui avais dit que je faisais du M, donc normal. Mais il a l'air de taille petit, non? Ouais, il a l'air d'être taillé petit. On va regarder de toute façon les refs. Restez jusqu'à la fin, bien évidemment. À la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'il y a? Des outfits portés comme d'habitude. Et lui, il est cool, hein? Redskin Football. Un peu peluché, mais il a l'air d'être un peu cool. Regardez, là, vous avez le petit patch avec le petit indien là de Redskin Football. Tu trouves comment, frérot? Jojo, pour l'instant. J'aime bien les couleurs. Ouais. J'ai un sweat comme ça en crewneck avec les mêmes couleurs. Ouais. J'aime bien. Tu préfères celui-ci là, le Redskin Football, ou tu préfères le Saint-Louis? Saint-Louis, j'aime bien avec une Yeezy 700. C'est pas mal, hein. Et avec le vert. Ouais. Tu vois, le vert, c'est un vert qu'on voit pas tout le temps. Je trouve avec une Yeezy 700, ça passerait pas mal. Ça passe très bien. Donc voilà, hein, le Saint-Louis et le Redskin. Le Saint-Louis, 35 balles. Et là, celui-là, t'avais regardé le prix ou pas? 40 balles sur un total de 75€. Merci, Valentin. Merci, La Bonne Tenue. Et on va prendre le reste. Regarde, on a fait tomber quoi? Des
stickers. Des stickers partout. Un petit stickers Vans pour mettre à mon endroit où j'ai des stickers dans le studio. Un petit stickers Trasher et un petit stickers, bien évidemment, de la bonne tenue. Normal. Voilà. Bon, frérot, deuxième petit sachet. Yeah. On ouvre ça. Ça, ça a l'air d'être du Gorkor. Ah, Gorkor et suite. Ouais, en fait, c'est ça le délire. Ça va être des pièces. Si vous achetez sur le site, ça sera des box avec une pièce Gorkor et une pièce... Ok. Et donc, celle qu'on a ouvert en premier, c'était la box bonus. Ah, ça va être lourd, hein. Ça, c'est pas mal. Et ça, mais ça aussi, c'est pas mal, frérot. Regarde. Ah ouais. Et ça sent, on fait tomber les bonbons. Les gars, c'est Halloween. les gars, c'est Halloween. Une petite carte aussi. La passion de l'occasion. La bonne tenue. Les refs, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et vous avez aussi le petit QR code juste ici pour accéder au site. C'est cool aussi, hein. C'est quoi ça? C'est un champion aussi? Patriote, champion. Bah, on va regarder sur la manche. Jersey, ok. Donc ça, on va dire que c'est la box numéro 2. Le sweat, il a 30 balles et 49 euros pour la veste Gorkor North Face qui est comme ceci. Franchement, c'est pas mal, on dirait ma veste Carhartt. Un peu dans, c'est un peu elle est pas mal, hein. J'aime bien, elle fait technique, hein. Ouais. Avec, regardez les refs avec la poche ici, là, sur le côté, là, juste là. Et franchement, t'as ouvert le colis et tu sais quoi, le premier truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une bonne odeur, je sais pas. Ouais, il y a une bonne odeur. Ouais, encore des bons. Oh purée, mais c'est magnifique. Il y a des sucettes. En fait, vous avez pas compris. En fait, moi, je suis là pour ça. Je savais que c'était un truc vintage et je me suis dit, c'est bon moment pour manger des bonbons, donc je me suis pointé. Merci. Frérot, les marques de boîte mystère vintage, il y a toujours des bonbons, ça fait trop triste. Merci. Merci Valentin. Toi, ta veste, ouais, elle est bien. Gros, avec des bonbons là-bas. Ou... Non, franchement, gros, elle est ultra stylée, ultra sympa. Et tu vois, même si c'est de la seconde main, ça se voit pas trop, hein. Ah, franchement, c'est top. Eh, mais et c'est quoi? Il y a du sucre sur la veste? Ouais, c'est les bonbons. Bon, les refs, on passe directement bah, les vêtements sucrés. À la dernière box, au dernier sachet. Dernier petit sachet mystère. On va ouvrir ça. Et là, encore une fois, là cette fois-ci. Oh, attention. Des bonbons. Oh, gros, des bonbons. Mais ce sticker, il est incroyable. Le sticker cause est incroyable. Le petit sticker bait est incroyable aussi. Gros, il est trop lourd. Là, je vais tous les mettre sur ma planche où je mets mes stickers de base. Gros, c'est trop lourd. Merci. J'aime beaucoup. La petite carte, encore une fois. Donc, les meufs, quand vous commandez chez eux, carte, bonbons. Et stickers. Frérot, champion, je te laisse regarder. Encore un bonbon. Et c'est génial, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ici en fait? C'est Charlie la chocolaterie? Faut m'expliquer en fait. On ouvre quoi, des box mystère vintage? Ou est-ce qu'on est là pour se régaler à base de friandises? Oh, c'est génial, merci Matt encore une fois de m'avoir invité pour cette vidéo. Le crewneck, rétro, champion, incroyable. L'université, c'est quoi? Marianne Université, Indianapolis. J'aime bien le bleu, hein, il est d'or. Hein. Ah, gros, c'est très cool, hein. Je pense que là, quand je vais tout essayer en fin de vidéo, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Les refs, j'essaye tout. Franchement, c'est sympa, hein. Et encore une fois, non, il n'y a plus de bonbons. Non, bah ouais, heureusement. Ouais, ça sent vraiment bon. Petite veste, The North Face. Elle est pas mal, hein. Elle est cool, hein. Elle est petite ou pas? Ça, c'est taille S, ça, on dirait. Bah, je sais pas, on dirait que c'est du M, hein. Non, c'est du L. L, carrément. Ah ouais. À l'époque, je sais pas comment ils faisaient leur sizing, mais c'est pas le même qu'aujourd'hui, hein. Ouais. Après, mais j'ai une théorie. Écoutez-moi la théorie. Écoutez, moi, j'ai vu, de toute façon, c'est bien connu que au fur et à mesure des années, l'espèce humaine continue d'évoluer. Bien sûr. Les tailles. Elles changent aussi. Bah voilà, et les chartres de taille changent. Exactement. Et évoluent avec la corpulence des gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, un L en 2023, c'est pas le même qu'un L en 1980 ou 90. Je suis d'accord. Voilà les amis, c'était la petite partie Arte de la chaîne de Matt. Petit KW The North Face. Alors on a le logo The North Face, il est où? Il est juste ici. Là, hop, juste ici. Ma petite veste à capuche, hein, ça ressemble à voilà, ce que vous pouvez avoir chez Arterix, etc. Avec la petite capuche un peu visière. C'est totalement le même délire. C'est un peu le même délire. Donc voilà. Ça, c'est imperméable. C'est sympa, ouais, ça c'est imperméable. Ouais, bon. C'est pas du Gorkor, mais c'est pas du Gore-Tex. Tu vois, ils appellent ça Event d'été. Je pense que c'est quelque chose de déperlant également. Tu event vois. D'été t'es. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les refs, franchement, c'est cool. Ce que je vous propose, les refs, c'est que tout de suite, frérot, toi, tu prennes la caméra en main. Cool. Ouais. Moi, j'essaye les articles et à chaque article, bah, je dis un peu ce que j'en pense. Si c'est bien taillé, si c'est pas taillé. Et puis on se retrouve après pour une petite conclusion de vidéo avec monsieur Jojo. Mais pour l'instant, il y a des bonbons, il y a des stickers. Ouais. Là, ça sent bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de trous ou de grosses peluches. Donc, à mon avis, ils choisissent bien leurs articles. Maintenant, juste voir si ça fit bien sur moi et s'ils sont bons au niveau de la sélection des détails. Voilà. Je suis d'accord. Les refs, transition stylée. Let's go. Bon frérot, premier article de la première box. Du coup, bah, c'est le sweat Redskin Football. C'est du M, c'est pile poil la bonne taille. Ouais.
Ça veut dire faut pas plus, tu vois. Faut pas que je grossisse, faut pas que je pousse trop à la salle, sinon ça va plus m'aller. Mais franchement ça va. Alors après, lui, tu le sens quand même, tu vois, que c'est de la seconde main. J'ai l'impression que ça se voit un peu. Ouais, ça se sinon voit, ça, ça va, tu vois. Bah, y a rien de choquant. Y a rien de choquant, exactement. Après, si tu te rapproches. Ouais, y a des petites peluches, des petits trucs comme ça. Mais sinon ça va. Ça va, t'aimes bien? Moi, ça me va. Ouais. Les refs, excusez-moi ma tenue, mais là on est en mode tournage, hein, donc j'ai des petites Polex collab Salehe Bembury, un petit Jogo Nike. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça fit et si la sélection elle est bonne chez la bonne tenue. Donc bah voilà pour le premier essayage, le premier sweat. Et là tout de suite on va essayer le deuxième qui était aussi dans cette box. Donc ça c'était la box supplémentaire, là, la petite box bonus. Donc le petit Saint-Louis, je l'essaye tout de suite et on vous retrouve pour l'essayage. Les refs, je viens d'être accepté chez Saint-Louis Université. Donc j'ai ma petite tenue, mon petit uniforme pour ma rentrée scolaire. Je trouve que ça fait grave stylé. On dirait un peu un prof de sport des années 90, Jojo. Je sais pas ce que t'en penses. D'accord. Tu vois, genre avec le petit sifflet et tout. Là, il manque juste la petite paire de NB. La petite paire de ouf, gros. Tu mets ça avec une petite paire de NB, ça passe grave cool. Donc voilà, petit sweat Saint-Louis. Donc c'est un champion, celui-là. Hop, vous le voyez juste ici. Ça va, ça passe cool. Ouais, j'aime bien. Niveau taille, encore une fois, pareil, pile poil. Il aurait là, pas fallu un tout petit peu en dessous et c'est mort. Au-dessus, ça aurait été cool, ouais. Mais là, juste comme ça, c'était sympa, quoi. Ouais. Bon voilà, les refs, première tenue donc de la première box, c'était le sweat rouge et ce petit crew neck Saint-Louis champion. Et maintenant, on va essayer les box où il y a une pièce vintage streetwear rétro et une pièce gore-core, donc les vestes North Face. À tout de suite. Jojo. Alors là, la veste. Et parfaite, hein. Cool de ouf. Même en termes de sizing, c'est très cool, hein. Voilà, je valide à 100%. Ah, c'est cool, hein. Pour l'instant, je pense que pour moi, c'est la master pièce des envois qu'on a eu. Et je valide de ouf l'idée de faire du gore-core dans une box avec aussi une pièce rétro, tu vois. C'est cool, c'est quali et t'en as pour ton argent. Ouais, bah, c'est top, hein. Le noir, tu vois, il est encore bien noir. C'est pas trop délavé. T'as des poches ici, là. C'est même pas délavé. Ouais, c'est même pas délavé. T'as deux poches ici. T'as les petites poches là. Franchement, c'est top. Bon, par contre, t'as vu, il y a encore les petits filaments là, les petits sucres là, à chaque fois, les petits grains de sucre, mais une fois qu'on aura tout enlevé, ça sera nickel, quoi. Énervé, je valide à 200%. Donc là, avec le jogging, ça passe moyennement. Après, quand t'es habillé avec un petit jean là, ou quoi, un cargo noir, un petit cargo noir, tu une sais, tenue mon, black, là. Mon jogger Uniqlo que j'ai, je mets avec ça, gros, ça passe tout direct. Et ensuite, ah, peut-être que c'est serré, hein. L'homme est sexy, quoi. Bon, ça, là, je sais pas, Rani, ce que t'en penses, c'est un peu serré quand même. Ah ouais, c'est serré. Hein. Là, c'est... Ah ouais. Là, frérot, c'est serré, tu es serré. Mais c'est sympa. C'est pas mon préféré. Pour l'instant, mon préféré, je pense que c'est le North Face noir et le Saint-Louis. Les refs, dans les commentaires, vous nous dites. Mais je pense, ouais, le North Face et le petit Saint-Louis. Lui, il est pas mal, mais... Là, la taille, c'est pas bon. Ouais, non, la taille, là, c'est pas bon. Là, tu pourras le prendre que pour aller courir en rapide. Hein. Transition stylée. Les refs, troisième box mystère. Et c'était encore une box mystère gore-core et rétro streetwear. Frérot, les pièces gore-core qui m'a envoyé, c'est des masterclass. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas, mais ça va nickel. Le sizing, il est top. Oui, c'est de la friperie, mais franchement, c'est largement réutilisable et tu peux le porter et les gens vont pas se dire, ouais, c'est de la vieille fripe, tu vois. Ouais. Franchement, c'est cool, ça passe cool. Elle est bien, hein, à mettre avec ma petite Travis, tu sais, ma Air Max One Baroque Brown ou ma petite 270, ça passe cool. Hein. Au calme. Au calme. Au calme de ouf. Très, très lourd. Et en dessous, bon, je vous montre quand même un peu. Donc là, on a les petites poches ici. Là, on peut bien évidemment régler la manche. Moi, j'aime bien serrer à fond. C'est un peu, ouais, voilà, ça fait un peu style K-Way. Là, ici, pour resserrer la capuche. Si je mets la capuche, elle se compose comme ça. Petite capuche rando, tu vois. Un petit truc simple, basique. Et ensuite, les refs, j'ai mis directement le sweat de l'université, donc le sweat champion avec cette box-là. Et c'est le petit Mariana Université. Boum, voilà. Simple, efficace. Et voilà ce que ça donne. Ça passe cool. Ouais. Je trouve que les box, elles sont top. T'as du gore-core, t'as du streetwear rétro. C'est du champion. En plus de ça, c'est pas une marque pas trop connue ou quoi. Franchement, j'aime bien. Je trouve ça stylé. Dites-nous dans les commentaires si vous validez ça. Frérot, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va juste retourner ça et on va se faire la petite tout trop ensemble. On se pose ici dans le studio, frérot.
frérot, qu'est-ce que tu penses? Bah franchement, franchement ça passe cool hein. Vraiment quali. De ouf. Quali de ouf, surtout les vestes. Masterclass sur les vestes. Ouais. Les deux North Face là, celle-là ouais. Et celle-là, voilà. Ça c'est masterclass. Carré, je pense que n'importe qui sur le site ouais, de ouf. Va être satisfait s'il reçoit ça. De ouf. Y a rien à dire, grave. Après sur les suites, peut-être ouais. La taille, le sizing. Ouais, après ouais les suites, voilà, taille. Prenez une taille au-dessus peut-être sur les suites. Ouais, prenez une taille au-dessus sûr. Ouais, là, sur parce que sur ce qu'on a vu là, c'est trop dangerous. Ouais. Bah des fois ça va, des fois ça va pas. Exactement. Ça mais c'est toujours très limite en fait. Ouais, c'est ça. C'est limite, c'est vraiment ouais. Pile poil la bonne taille. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, frérot. Moi j'ai kiffé être toujours là. Toujours un plaisir. J'ai kiffé de faire la vidéo. C'était cool. Quel plaisir de vous revoir. Ouais. Chez Matt. Les refs. Normalement vous avez vu une vidéo de Jordi qui est sortie la semaine dernière où il expliquait qu'il est enfin de retour dans le studio parce qu'il a réparé sa voiture. Dieu merci. J'espère qu'on va pouvoir refaire des vidéos ensemble. Donnez-nous des idées. Bah après c'est pas ça qui nous empêche de faire des vidéos. Oui c'est vrai. Ouais. Mais on fait plus des vidéos sur ta chaîne parce que c'est du vlog que ici au studio ouais, parce que c'était compliqué vrai, de venir, etc. Voilà. Bref les refs, on vous kiffe, on vous love, on vous souhaite que le meilleur et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif. Ciao.